dire, je vais passer sur un sujet assez sensible cette fois-ci, hein, qui concerne en fait les délais de prescription des actes pédophiles. Donc aujourd'hui en France, on a tout de même un enfant sur cinq qui est victime de ces affreux actes, hein, qui reste victime en fait toute sa vie, avec un fardeau qui est par moment, enfin qui est même toute sa vie très compliqué à raconter, par moment, enfin pour beaucoup, pardon, indicible. Et pour autant, on a un délai de 20 ans passé la maturité, enfin la majorité, excusez-moi, pour pouvoir s'exprimer sur ce, bah sur les faits, pouvoir les restituer, enfin, enfin avoir, ben, si je puis dire, gain de cause, et que le criminel puisse payer de ses actes. Bon. Donc ici, Séverine Maillère, qui a reçu plus de 168 000 signatures, eh bien, propose qu'on interdise ces délais de prescription, tant il est compliqué finalement pour les victimes de pouvoir réussir à restituer ces faits dans un délai. Enfin, il y en a beaucoup qui se prononcent, même très très tardivement, parce qu'il y a aussi tout ce problème de prescription, aussi bien en famille, sociale, etc. Donc quel est vous votre sentiment? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est effectivement un crime absolu. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime pas beaucoup parler de ces questions parce que je suis très gêné. Je trouve que là, c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Je crois effectivement, de toute façon, ça pose un problème actuellement. La prescription est de 20 ans. Donc, je crois qu'il y a des projets de la porter à 30 ans, il me semble, avoir vu ça. L'idée de l'imprescriptibilité ne me dérange absolument pas. Je pense même que c'est sans doute justifié. Bon, j'ai pas tout à fait toutes les connaissances juridique pour aller pour en être absolument certain, parce que peut-être que des juristes expliqueront qu'il y a des problèmes, mais a priori, comme il y a d'autres crimes qui sont imprescriptibles, je signe tout à fait volontiers. Merci.